Et salut tout le monde, c'est Zorat, bienvenue pour ce nouveau let's play. Ça fait un petit moment que j'ai pas mis de contenu, j'ai pas forcément de jeu indépendant à faire en ce moment, ni de Metroidvania, j'ai pas l'envie. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un bon vieux beat'em all, un truc qui déchire, un truc qui tabasse. Et un que j'avais pas fait, DMC, Devil May Cry, le reboot, sorti apparemment en 2013, hein, si c'est les bonnes données sur la page d'accueil. Je suis assez fan de la série. J'ai fait le 1, bien entendu. J'ai fait la moitié du 2 avant de me rendre compte que le jeu était pas folichon. J'ai fait tout le 3. J'ai fait le 4. J'ai fait le 5. J'ai fait Bayonetta, aussi disponible sur ma chaîne. Du coup, Bayonetta 2, je l'ai pas fait parce que c'est que sur Wii. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on va aller tabasser du démon. Les ennemis sont faibles et font peu de dégâts. Ok. Donc, chasseur de démons, bien entendu. Faisiez-vous le message du didacticiel? Pourquoi pas? Et on est parti. Il paraît que c'est quand même un bon jeu. Sorti en 2013, hein, sûrement les graphismes sont pas incroyables. Mais c'est pas grave, on est là pour mettre des grosses baffes à l'épée et utiliser le double gun. Oui, à la fermeture vendredi. Non, vous n'aurez aucun délai. Vous connaissez les conditions et les conséquences. Non, ce n'est pas une menace voilée. Elle est directe. Si vous ne respectez pas l'accord, vous porterez la responsabilité de l'effondrement de l'économie. Oh putain, la salle. Vous serez évincé du pouvoir, humilié et haï. C'est assez direct? Bien. Vendredi donc. Bonne nuit, monsieur le président. Alors? Combien, mon tendre et cruel? Plus d'un billion. Oh. Je posséderai bientôt tout ce qui a la moindre valeur. Je vais dominer le monde par la dette. Je détiens un pouvoir absolu. Ça y est, le monde est enfin à tes pieds, comme je le suis. Elle est full chirurgie esthétique. Agenouille devant toi, il n'attend plus que ton bon plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème. Un problème? Lequel? Le fils du traître Sparda, Dante. Lui? Oh non, Dante. Putain, il ils ont posé. Les limiers le retrouveront. Ils ont bien eu Sparda et sa catin. Tu le tueras. Oui. Je lui arracherai le cœur de la poitrine avec mes propres mains. Et je l'avalerai devant ses yeux. Est-ce que c'est le méchant du premier, là, qui s'appelait Mundus, de mémoire? Non mais Dante, par contre, non. Dante, au moins. Putain, le fait que ça pue le style, quoi. J'ai pas envie de mettre le jeu dans une autre langue, sinon ça m'obligera à lire les sous-titres. Et j'ai pas envie. Sale.
Depuis des millénaires, les démons étendent leur pouvoir. Ils sont sur le point de contrôler toute l'humanité. Citoyens, nous nous sommes tous laissés bercer d'illusions pendant trop longtemps. Il faut se réveiller. Le fanatique masqué que vous venez de voir prétend représenter l'Ordre, une organisation ayant revendiqué plusieurs attentats graves au cours des dernières semaines. De toute évidence, c'est un traître et un terroriste. Étant opposé à la peine de mort, je ne vois qu'une façon de régler ce problème. C'est tellement pratique, ça. Discrètement ce fils de pute. Ici Bob Barbas, au service du Seigneur. Dante ! Vite, sors de là ! T'es en danger ! Qu'est-ce que tu veux ? On se connaît ? T'as été négligent ! T'as laissé une trace ! Et il en a après toi ! Quoi ? Qui en a après moi ? Il s'agit d'un limier. Il est là ! J'aurais pas laissé le temps de me mettre un pantalon. Salope de démon. Oh non, ma caravane, putain le bâtard. Raté. Oh, ça va se payer, ça va se payer. Ça. Putain, des sticks si inférieurs. Ça manque un peu de rébellion. Ouais, rébellion, c'est le nom de la bébé. Vous voulez vous battre ? Je vous attends. Pour le combo hacker. Le combo spirale. Ah, j'ai pas eu le temps. Viens prendre ton combo spirale, toi. Ah, B pour lancer. Ouais, parce que normalement je t'appuie sur X, mais X normalement c'est les guns. C'est pour ça que ça fait rien. RB pour esquiver. Okay. Une orbe blanche. Les ennemis vaincus, les orbes blancs qui remplissent la barre d'amélioration de Dante. Lorsque la barre est remplie, Dante peut débloquer une nouvelle capacité via le magasin. Une orbe rouge. Des orbes rouges qui permettent d'acheter des objets à consommer, des améliorations de santé et bien d'autres choses au magasin. Qui a dit ça ? J'ai pas regardé si je pouvais lock les ennemis. Attends, ça c'est pas destructible ça ? Négatif, c'est une vieille bouée. Ebony Ivory. Enfin, c'est toujours comme ça qu'il s'appelle. Oh oui, retenu par le switch à gorge incroyable. Oh
ça va tellement être grand spectacle. Hey Bonnie, Ivory, oh, oui. Vous m'avez manqué. Je m'étonne. Oh, des bateaux. De quoi m'entraîner. Timing parfait. Et Bonnie et Ivory. Pistolet de gros calibre et à haute fréquence de tir sur une cible. Mais qu'il ne cause que peu de dégâts, Ebony et Boré interrompent les attaques des ennemis les plus faibles. Bon, la musique me gueule dans les oreilles, vous direz s'ils sont Ebony de l'autre côté. Ah merde, c'est RB. J'appuyais bêtement sur B. Est-ce que je suis en train de tomber dans la mort? Solide. Y'a pas de lock. Encore le dash. On va essayer de choper des points de style, hein, tant qu'on y est. J'ai perdu quelques PV, bah oui, sur mon raté de l'esquive et sur ma chute. Donc, ne tire pas. Je m'appelle Kat, je suis pas un démon. Je suis dans le monde réel, et toi dans les limbes. Comment ça se fait que je te vois? Je suis une médium, une voyante. Ce qui fait que je peux communiquer avec toi. Même si tu me vois, je suis pas vraiment dans les limbes avec toi. Et si j'appuie sur la détente? Je meurs. Là, je risque ma vie pour toi. Tout ce que je veux, c'est t'aider. J'ai pas besoin de ton aide. Le lumière t'a amené dans les limbes. Je peux t'en faire sortir. Je sais comment sortir, c'est pas ma première fois. Il suffit de combattre cette saloperie de démon. Mais c'est pas la faute des lumières. On n'a rien d'un simple démon. Suis-moi. Vite. Et donc, elle, dans le monde réel, elle parle comme ça à personne. Et tout le monde trouve ça normal. Parfait, parfait. Ok, je dois aller voir un truc. Dans la liste des combos. LB, ok, un double saut, une esquive, avec rébellion. Ok, ok, ouais, en l'air. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, B en l'air, un brisque casque, ok. Et là, bah, tu tires. Est-ce que, dans les commandes, est-ce qu'il y a lock? Locker un ennemi. Cible à portée suivante, L, ok. Ça ressent la caméra et elle salope. Elle est où? Oh, c'est des sorbes ça. Ah, emprisonné dans les limbes, libéré à l'aide. Tout pour accroître vos bonus d'achèvement de mission. Ok. Je peux aller par là. Je peux aller par là. Parce qu'il ne faut pas du tout rigoler puisque j'aimerais bien. Pas prendre la bonne direction tout de suite. Ça a l'air d'être par là quand même. Qu'y a-t-il donc par ici? Non, aucune indication. C'est terrible. Tant pis, je vais par là, on verra bien. De cuivre permet à Dante d'ouvrir une porte de cuivre. Ouais, d'accord. Ça, c'est des orbes rouges. Ça fait zizia. Ça, c'est orbes rouges. On prend.
J'avoue que la caméra est un peu piffée du cul. Mais bon, on va faire avec. Je les lance en l'air. Si je reste appuyé sur B, je saute avec eux bien sûr. Il va falloir que j'achète le dash Rapidos. Point d'amélioration reçu, tuer des ennemis et ramasser des orbes blanches, remplis la barre d'amélioration de Dante. Quand la barre est pleine, Dante obtient un point d'amélioration qui peut être utilisé au magasin pour débloquer de nouvelles capacités et de nouvelles attaques. Vous pouvez accéder au magasin depuis le statut du temps. Les statues du temps pendant une mission ou depuis l'écran début de mission. Ça me parle, ça me botte. Est-ce que je peux pas? Grave erreur, il a voulu déconner. Et voilà. Là, envoie-nous, ça veut dire. Là, je ne peux pas courir sur le mur. Pour sauter plus haut. Maintenant. De toute façon ça passe. C'est normal que ça soit vert comme ça là ça. On va supposer que oui, même si probablement que non. Oh, une orbe jaune. S'utilise après la mort pour ressusciter Dante. Les orbes d'or s'achètent aussi au magasin. Parfait. Ah ah! Vous avez vu, misérable! Oh, ça sert à un débit, ça. Petite étoile vitale, restaurer un peu de vie de Dante. En jeu, appuyez sur Start et sélectionnez Objet pour utiliser des petites étoiles vitales. Ça tombe bien, ma manette a un problème avec le bouton Start. Quel enfer! Il n'y a rien sur ce manège. Négatif. Une statue du temps, justement. Alors, à ma marche-pied. Ok. J'ai que ça. Ah non, c'est une capacité. Ok. Ok, pour faire plus mal. Dégâts accrus. Roulette. Remonte, voir. Tac. Ok, non, pas ouf. Ok, non, pas ouf. Ah, ça c'est quoi ça? Deux fois avant. Au sol, deux fois avant Y. Ah, deux fois avant Y, ok. Ok, ça c'est Pétax. C'est ça qu'il me faut pour pouvoir enchaîner des combos. Barrer de là du coup. J'ai bien compris comment ça fonctionnait. Merci. Quitter l'entraînement. Et c'est exactement ça que je voulais. Nuée de coups. Ah, c'est trop bien ça. Ok. Et avec Ebony et Voré, qu'est-ce que j'aurais pu avoir? Des dégâts accrus. Des super tirs. Ok. Ah, ça c'est. Ouais, ça c'est stylé, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais. Oh, c'était stylé! C'était stylé! Ok, bon, c'est parfait. Des objets, qu'est-ce qu'on a en objet?
Une petite étoile vitale, une grande étoile vitale, une orbe d'or et une croix de santé augmentent la vie de Dante de 10%. Ça, il faut absolument les rusher. Parce que ça coûte trop cher. Est-ce que j'entends un truc qui gueule là ? Est-ce que ça veut dire qu'il y en a un dans le coin ou... Nous sommes en direct de notre hélicoptère. Steve, je n'en crois pas mes yeux. L'esquive. Plus Y normalement pour faire le coup de dash. Mais là c'est pas ça. Pour esquiver, ouais, mais qu'est-ce qu'on dira attends. Ça marche, poulette. Allez, salut, gros naze. J'aurai ta peau bien assez tôt pour me barrer des limbes. Caméra un peu récalcitrante, il n'est pas facile de se jeter partout. Elle bloque un peu. Est-ce que c'est une porte de cuivre ça là ? Vas-y, fais péter les bonus là, fais péter les bonus là. Oh yeah ! Tuez tous les ennemis dans le temps imparti, les ennemis ne subissent pas de dégâts. Ils subissent des dégâts qu'en l'air. Ok. Ça va, c'était pas trop compliqué. J'ai bien un fragment de croix sac. Ok, d'accord. Un quart de cœur, du coup. Non, mais là, les réglages de ma manette me font bien. Ça ressemble pas à ça d'habitude. Alors, viens ici.
Ouais, t'es comme les autres limiers. Tu pues la défaite. Ça, c'est des fleurs de rouge, hein. Faut pas se le cacher. Ça, messieurs, est-ce que c'est par là? Non, par là, ça veut dire que je peux pas y aller. Okay. Oh putain, j'ai failli passer à côté. Ça en fait derrière. Et donc, toi, petite poupée, là, je ne parlais de. Ah bah t'es. Voilà, beaucoup mieux ça. Ça là, ça va tomber, ça va me tomber sur le coin du visage, ça je le sens, je le sais. Tout le monde le sait, tout le monde s'y attend. La sortie, bien. Ouais, c'est beaucoup trop facile. Bah bon. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas vu. Oh, chier, c'est ok. Ils prennent du temps à. Ils prennent du temps à charger leur. Bien sûr. Tu m'en diras. Je vais pas le toucher sinon je vais perdre des vies lamentablement. Ça va pas revenir. Si j'attendais un petit peu, je l'attends. Pardon. Ça sert à rien. Pourquoi pas? Il craint pas les balles. C'est pour ça qu'il a l'air aussi confiant. Quoi? On va travailler dans le PL. On reviendra pour lui. Attends, je sélectionne la salle. Oh, j'ai des améliorations. Ça peut valoir franchement sauter sur quelqu'un comme ça. Ouais, je suis pas convaincu. Tiens, niveau 2. Ouais. Bon, rébellion, on va quand même sûrement la garder sacrément longtemps. Onde de choc, c'est un peu nul à chier. Augmente la distance de la fantasme, c'est pas mal. Et ça, c'est pas mal aussi. Entre nuit et coup et hacker niveau 2 parce que dégâts accrus, hein, c'est quand même toujours bien. Allez, on va prendre ça pour l'instant. Ah ben d'accord. Attends. Oh, le coup.
cocktail molotov de la médium. Le limier. Moi aussi. Ouais, j'entends. Baissez mon rang, je suis salaud. Allez, c'est fini pour le limier, il dégage, il m'a pas touché. Ça dégage le limier. La fête est finie. Fils de Sparda. Fils de qui? Enfin te voilà. Je te cherchais. Tu es mort, tout comme ta catin de mère. Catin de mère? Je sais pas qui est ma mère, mais si tu me traites de fils de pute, tu serais pas le premier. Les limbes. Ma mère. Je me souviens à peine d'elle. Je sais pas si on verra Virgile dans cet épisode. Qui commence, ma foi, sur les chapeaux de roue. Ça va, Dante? Comment tu connais mon nom? Mon boss te connaît. Il veut te rencontrer. S'il te plaît. Je t'ai tiré d'affaire, non? Ouais, mais je t'avais rien demandé. On sait tout, toi, Dante. Mon organisation s'appelle l'Ordre. Tu connais? Un rapport avec le taré masqué d'Internet? C'est mon boss. Parfait. Génial. J'ai hâte. Si on... Nous sommes à l'instant, je vous parle de la vraie d'une attaque terroriste sur le quai de Bellevue, dans le quartier ouest de la ville. La police demande à tous les habitants de rester vigilants. De nouveaux attentats pouvant avoir lieu n'importe où, à tout moment. Lorsqu'on s'y attend le moins. Ça, c'est un démon, c'est sûr, c'est un démon que j'aurais le fusil à moi. Nous t'avons repéré, fils de Sparda. Ce n'est plus qu'une question de temps. C'est pas un acteur connu, lui? Fais penser à quelqu'un. J'en ai raté 3, putain, dur. Savage. Hop hop hop, j'ai savagé quoi. Non, bah, ça on va passer sur la mission suivante, je pense. On est à combien? On est à combien d'enregistrement? 35 minutes, ça me paraît pas mal hein, pour un premier épisode. Mais j'aimerais bien faire les améliorations. Voilà. Oh, il y a des skins. Oh, il y a des skins. J'ai pas de skins. J'ai pas de skin, c'est terrible. Ok, j'ai 2 points d'amélioration.
Le marchepied, ça me dit rien du tout. Je peux faire plus de dégâts avec Ebony Ivory, c'est pas mal. Sachant que j'utilise pas mal mes flingues. J'ai pas de... d'esquive. Non. Ok, avec Rébellion alors. Ça, je l'utilise pas mal, ça peut être bien. Ça, c'est plus de dégâts quand on est en l'air, c'est pas mal. Ok, ça c'est pour l'emmener encore plus haut. Ça, on avait dit que c'était nul. Et la nuée de coups, c'est pas mal aussi. Ok, je vais prendre la nuée de coups. Et je vais prendre la spirale mortelle. Ok. Pouf. Bon, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Merci à tous de l'avoir regardé. La suite, la mission 2. J'essaierai de faire peut-être 2 missions après par épisode. On verra, en fait, ça dépend de la durée des missions. Mais bon, voilà, pour un premier épisode, là, c'était bien. Donc, n'hésitez pas à me dire au niveau du son et tout, si c'est bon. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon visage. Comme d'habitude, à gauche, une playlist précédente, car c'est un épisode 1. Et l'épisode suivant, quand il sera en ligne, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut !